Alors pour moi, j'étais sur le tournage du dernier 007. C'est mon agent qui m'a appelé pour un tournage ici à Jacques Le Caron, dans le Nord, à Arras. Et je venais de rencontrer Gilou. Gilou sur le tournage. Et donc on s'est dit, bah allez, pourquoi pas. C'est parti d'un pari. De base, c'est parti avec Madame Via, qui nous a dit qu'elle faisait un projet. Toute envie de faire, depuis gamine, limiter un flash mob comme aux États-Unis. Voilà, allier chant, danse, cinéma. On s'est intéressé un peu, on en a parlé autour de nous. On devait faire ça au tout début à aller, on va dire, 5, 6, et ça a repris de l'ampleur. On a récupéré quelque chose sur Internet et on l'a modifié pour dire que tout le monde puisse s'adapter. Voilà, parce qu'on n'est pas tous des danseurs innés comme nous. Ouais, une dizaine de répétitions. Ouais, une bonne dizaine. Ouais. Personnellement, j'en avais pas besoin. Voilà. Moi, j'ai regardé et tout de suite, c'est venu. Bon, ça se verra sur le montage. Heureusement qu'on était là quand même un petit peu quand même, non ? On va pas tout ramener à nous. Ouais, ouais. Ça nous a rapproché des profs aussi. Si ça peut servir aux jeunes, si on peut montrer ça dans toutes les écoles pour montrer que, bah, comme quoi, on peut réussir à faire quelque chose avec un physique, au départ, pas forcément évident. On remercie Claudie, Céline, Monsieur le Proviseur surtout. Faut pas oublier le Monsieur Proviseur. Bah ouais, ouais. C'était merveilleux, tout le monde a fait en sorte que ça fonctionne. Je crois que tout le monde s'est bien amusé. C'est chouette, faut venir ici.